préparé pour vous, avec amour. Faire découvrir la cuisine française traditionnelle à une correspondante japonaise, c'est le défi que relève Catherine presque tous les jours dans sa maison tourangelle. Elle y accueille des hôtes du monde entier et aujourd'hui, c'est quasi de veau aux légumes de printemps. Verdict ? Chez Kiko, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu aimes ? Délicieux. Ouais. Depuis 20 ans, Catherine est une ambassadrice consciencieuse de sa ville de Tours. Elle adore faire découvrir son patrimoine historique et gastronomique aux étudiants étrangers de passage. Même si les gens maîtrisent mal la langue, vous pouvez leur faire comprendre énormément de choses par le goût. On est ici, place Plumereau, donc c'est la place la plus animée de la ville de Tours. Donc cette saison-là, on est bien, on a de la chance, parce que les arbres, vous voyez, ont à peine leurs feuilles, toutes tendres. Donc on voit bien l'architecture de toutes les maisons qui sont très, très variées, plein d'époques différentes. Et l'été, c'est beaucoup plus ombragé. Et là, c'est un havre de paix, de fraîcheur, et jusqu'à tard dans la nuit. Profiter de chaque saison à sa juste valeur, c'est le credo de Catherine, notamment en cuisine. Elle ne travaille que les produits locaux du moment. Pour ça, elle a son adresse à Chambray-les-Tours, chez Annie. Une coopérative qui regroupe uniquement des producteurs du département. Annie, bonjour. Bonjour Catherine. Ça va bien depuis la dernière fois. Et si en ce moment, on ne trouve aucune tomate dans les étals, c'est normal. Tomate, c'est pas la saison en Touraine. La tomate de pleine terre en Touraine, c'est au mois d'août. Donc vous allez en trouver un peu au mois de juin. Ça sera de la tomate de serre ou de tunnel. En revanche, il y a tous les légumes qui accompagneront la recette de Catherine. Des pommes de terre nouvelles, de l'ail et bien sûr, il y a du veau. C'est un veau qui est exclusivement nourri au lait entier. Il ne mange pas d'herbe, pas de maïs, pas de céréales. Donc ça lui laisse une viande très très claire. Une viande très claire, très tendre, mais au goût assez neutre. Il est donc nécessaire de lui donner un petit coup de fouet. Dans sa cuisine, Catherine a la solution. Voilà, regardez-moi ce beau quasi de veau. On va commencer tout de suite par la marinade. Le vin choisi, c'est un vin de Vouvray sec, sachant qu'on ne va pas prendre un vin moelleux ou un vin demi-sec. Un vin sec permet d'un côté fruité, un côté minéral qui se marie très bien avec les viandes blanches. Elle y ajoute un bouquet garni, de l'ail et de l'huile d'olive. La marinade est prête, donc on la met maintenant au réfrigérateur pendant 3-4 heures. 3 heures plus tard, elle a bien égoutté son quasi de veau qu'elle va déposer dans une cocotte avec un peu de beurre et d'huile. Et là, j'attends quelques minutes de façon à ce que ça soit doré sur toutes les faces. Je vais récupérer ma marinade pour ensuite la verser sur mon quasi, ce qui évite ensuite à la viande, pendant la cuisson, de dessécher. Et j'ai ajouté quand même quelques petits oignons nouveaux, parce que c'est la saison. Avant de laisser mijoter sa viande pendant une heure, elle termine son assaisonnement avec du vinaigre de cidre et un peu de sucre de canne. Ça laisse du temps pour préparer les légumes, petits pois et fèvettes. Justement, elle va avoir de l'aide. Chikiko, sa toute nouvelle hôte fraîchement arrivée de Tokyo, met la main à la pâte. Ses invités adorent découvrir de nouvelles saveurs. Ils aiment le côté typique et exotique. On parlait avec Chikiko hier soir des asperges. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, les asperges ? Au Japon, les asperges blancs, et c'est très cher. Donc, je ne peux pas manger. Bien sûr, c'est cher. Le Japon en produit 0 kg. Tout est importé. En attendant de faire le plein d'asperges, il faut préparer la sauce qui accompagnera le quasi de veau. Et pour ça, il faut de l'ail, beaucoup d'ail. Nous préparons la purée d'ail. Cet ail va être cuit dans un mélange de lait et d'eau salée. Bon, Chikiko, tu peux venir mettre les gousses d'ail. C'est bon, tu me les verses, merci. Une fois cuit pendant 30 minutes, l'ail sera écrasé, passé au chinois et mélangé avec le fond de veau. Un fond de veau qui servira également à cuire quelques pommes de terre, des petits pois et des fèvettes. Vous voyez, mes petits pois, c'est 8 minutes, hein, faut que ça soit croquant. On pourrait bien entendu parler du quasi de veau de Catherine jusqu'au pays du soleil levant. Sans aller si loin, essayez déjà de le refaire chez vous. Pour cela, il vous faut
1,5 kg de quesis de veau, 50 centilitres de vin blanc, un bouquet garni, 3 gousses d'ail, 250 g d'oignons nouveaux, 500 g de pommes de terre nouvelles, 50 centilitres de lait, 250 g de petits pois, 150 g de fèves vertes.